Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture d'un sachet Lego Movie 71023. Voilà, donc ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert, mais enfin j'en ouvre un. Voilà, donc celui-là, normalement dedans j'ai déjà tâté en magasin, bien évidemment, parce que sinon je n'aurais pas acheté qu'un. Enfin, je tâte toujours en magasin, mais du coup, vu que j'en ai acheté qu'un, je vais pas vraiment retâter, hein. Je vais pas retâter, parce que ça sert à rien. Autant si j'en aurais pris plusieurs, là, je retâte, parce que du coup, je les ai mélangés, hein. Voilà. Mais voilà, on va l'ouvrir ensemble aujourd'hui. Donc, je l'ai payé 3 euros tout pile, hein, et il était en réduction. Merde, tous les Lego Movies sont en réduction dans mon King Jouet. Donc là j'en ai profité au moins pour un, c'est ça, c'est cool. Normalement dedans c'est le président Lincoln, le premier président des États-Unis si je ne me trompe pas, en version Apocalypse, bien évidemment. Voilà, donc j'en ai déjà 11, avec celle-là ça fait 12. Donc il m'en manque normalement 8. Donc là je vais essayer quand même de tous les collectionner toute la série. Hein. Ce serait cool. Et après d'acheter, de trouver les Picsou, Riri, Fifi et Loulou, parce que j'adore j'adore Picsou et tout, Riri, Fifi et tout. Voilà, j'adore ces filles, j'adore Picsou en général. Donc faudrait que je les trouve, hein, dans la série Minifig, excusez-moi, Disney 2. Voilà. Et ensuite, il va y avoir une nouvelle collection de mini-figurines classiques Lego. Où là, j'essaierai d'en chercher des figurines spécifiques, 2 ou 3 figurines spécifiques. Mais voilà. Donc écoutez, on va l'ouvrir. Hein. Enfin, on va l'ouvrir. Hop. Et oui, c'est bien lui. Ça, c'est cool. Parce que je le voulais, hein, clairement. Je voulais ce personnage. Je le trouve vraiment sympa. Donc, j'ai pas mes autres figurines avec moi, donc je pourrais pas vous les montrer. Tac, voilà, le sachet est vide. Donc je le garde bien évidemment. Alors, je vais défaire le petit. Comment s'appelle? Enfin, ça, voilà, j'ai perdu le nom. Le petit dépliant de toutes les minifigs. Dedans, on a. Donc, je vous dis un peu celle que j'ai. Donc, j'ai la femme crayon. Celle-là, Lucie, version disco, on va dire. J'ai président business, du coup maintenant j'ai celui-là. J'ai Rex, j'ai ce personnage, le lion, et celui-là de The Wizard of Oz, il manque que celui-là. Et c'est tout. Voilà, du coup il manque Emmett, que j'ai vraiment envie d'avoir, Lucie, Apocalypse, Benny, Apocalypse, Monsieur Girafe, l'homme pastèque, l'homme des marais, on va dire ça. Comme ça, cette figurine, celle-là, l'épouvantail. Oui, c'est un épouvantail. Et une Okiti. Voilà. Donc je vais essayer quand même de les trouver. Et derrière, voilà, on a trois instructions donc, pour une Okiti. Un peu logique pour les plus petits. Et ces deux personnages, parce que on a ça. Les petits trucs. En tissu, on va dire. Donc voilà pour ça. Maintenant on va le construire. Donc on a la petite plaque. Ça c'est cool. Alors, les jambes. Bon, c'est que devant, c'est dommage. Alors voilà, comme ça. Donc bien évidemment, cette figurine est exclusive entièrement, je pense. Même la tête doit être exclusive. Ça m'étonnerait qu'elle soit pas exclusive. Donc là, les jambes elles sont vraiment sympas. Là, on a une petite tête de mort, un petit bande. Enfin. Une ceinture rouge là qui pend, c'est super sympa. Je vais carrément le mettre sur la plaque. Maintenant le torse, donc ça c'est cool, c'est sur les bras aussi. Donc sur les bras là, on a un anneau argent, un petit truc en cuir marron. On a encore une tête de mort qui est un peu avec de la crasse dessus, on va dire. On voit le petit torse, un petit bout de la poitrine, ouais, du torse. Avec un petit gilet et tout, c'est vraiment sympa. Et derrière, on a un chapeau avec 2 haches. Donc ça, c'est cool. Enfin, vu que là, on a une hache. Alors, la tête, après. Tête exclusive. Hein.
Je pense. Ça m'étonnerait qu'elle soit exclusive. Pas exclusive. Tac, voilà. Alors là, pas content, hein, clairement pas content. Avec des rides de partout. On le voit pas trop à la caméra, mais voilà. Et là, un peu plus joyeux. Voilà, on va mettre quand même ce côté, c'est mieux. Et ensuite, l'autre, enfin, le chapeau. Donc avec. Ouais, c'est bien imprimé. Enfin, bien imprimé. Bien impression, parce que du coup, c'est le chapeau de la couleur marron avec les lunettes. Enfin, le tour des lunettes. Avec aussi en couleur noire la barbe avec les cheveux, bien évidemment. Et c'est ça, le fil des lunettes. Et après, ça doit être. Après, c'est imprimé pour les lunettes. Le vert. Ça, c'est cool. Donc voilà. Bon, franchement, c'est magnifique. Hein. Donc, la hache. Voilà la hache. En argent. Magnifique. Franchement, je l'aime bien. Donc, on va lui mettre. D'accord, là, il est bien. On a en plus un petit bâton. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 figures, 6 pièces. Attendez. 7 pièces. Plus 8 du coup, pièce en plus, donc ça c'est cool. Donc franchement, ça va, hein. Clairement, ça va pour 3 euros du coup, c'est pas cher. Au lieu de 4 euros normalement. Donc là, ça je suis content d'avoir ce président Lincoln, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. Mais voilà, donc pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, même si elle n'est pas très longue. Hein. Voilà, commentez, partagez. À vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, et à vous, et à activer la cloche de notification pour savoir mes vidéos, et sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!